Bismillah, salam alaikum, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en parfaite et bonne santé. Donc aujourd'hui, on va faire une pâte à brioche pour faire tout ce qu'on veut. Donc c'est parti. Alors j'ai mis d'abord la levure, j'ai mis du sucre et j'ai mis un petit peu de lait tiède. Et puis je mélange le tout. Voilà, on mélange le tout quelques minutes. Et puis après, on va rajouter la farine et on met le sel. On mélange avec la farine, bien sûr. Et puis on va rajouter les œufs. Donc ensuite, on met le reste du lait. Et on va peser 80 grammes de beurre. Et on va le faire fondre et puis on va le rajouter aussi. C'est parti pour la première vitesse. Hein. Première vitesse, tout doucement. Hein. Donc après, on augmente au fur et à mesure. Voilà. Et une, la deux, et puis la trois au fur et à mesure. Et puis, on laisse travailler 5 minutes maximum. Donc voilà. Alors pour les nouveaux abonnés, pour les nouveaux visiteurs hein, qui me rendent visite, soyez les bienvenus d'abord. Cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker et de partager, bien sûr, et bien sûr de commenter si cela vous en donne, si vous en avez envie. Donc voilà, j'ai travaillé bien la pâte, bien sûr, au robot d'abord, ensuite je la déballe sur le plan de travail. Et puis je vais la travailler bien comme il faut. Hein. Comme vous voyez, elle ne colle pas. Donc bien sûr, l'élasticité dépend de la farine. Après, je veux dire, c'est un petit peu plus fluide, c'est pas grave. Hein. Plus fluide que par rapport à ce qu'on voit à l'écran, bien sûr. Donc voilà. Donc là, je l'ai travaillé quelques minutes. Je la boule et puis je la mets dans un saladier. Je filme le tout, puis je vais la laisser bien tripler de volume. Mettez-la dans un four qui était déjà un peu chaud, vite fait. Hein, enfin, comme ça permet d'augmenter la vitesse de pousse. Donc ensuite, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile, voilà, d'huile ou d'huile d'olive. Et puis je retravaille de nouveau ma pâte quelques minutes. Ça lui permet de lui donner une bonne élasticité. Et puis, elle est, je vais dire, elle est tendre. Je vais dire, quand la pâte est cuite, quand on fait ce qu'on a à faire. Et puis, on a un bon moelleux derrière. Donc, c'est pour ça que c'est important de la retravailler. Donc, voilà, je la laisse de nouveau doubler de volume. Et puis, la prochaine étape. C'est de farcir, on fait ce qu'on veut. Donc là, je vais faire des petits pains, des petites brioches farcies. Bon, je la retravaille vite fait, je la dégaze. Hein. Et puis après, bah, vous préparez la farce. Et puis vous faites des petites boules, bah, de la taille que vous voulez. Et puis vous les farciez, c'est tout simplement. Donc ça peut être comme ça, hein, ou ça peut être des petites boules. Ou ça peut être tout simplement des petites brioches sans rien. Donc voilà. Alors je fais plusieurs sortes. Celle-là, je vais l'inciser au milieu, voilà. Et puis ça me donnera une belle petite brioche. Un petit pain en fait bien bridé, on va dire. Et puis voilà. Et puis on continue comme ça jusqu'à ce qu'on finisse la pâte, ainsi de suite. Donc voilà, et pour la farce, c'est du thon, un peu de carotte, un peu de céleri et un peu de yaourt. Voilà, de yaourt. Et puis vous faites cette farce-là, elle est très bonne aussi. Donc voilà, mais bon, le but c'est juste de vous montrer la brioche. La pâte à brioche, et après on peut en faire ce qu'on veut, on peut mettre du chocolat, on peut mettre ce qu'on veut, donc voilà. Donc, bon là je galère un petit peu, j'ai mal
ciselé, mais je me suis rattrapé après. Donc là, je vais les laisser. Comme vous voyez, là-bas, j'ai fait des petites brioches simples et celles-ci, je les ai farcies. Donc là, je les ai laissées doubler de volume. Et puis, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Et bien sûr, je badigeonne mes brioches avant de les mettre dans le four. Et puis, voilà. Voilà, donc ça donne un bon résultat comme ça. Machallah. Donc, elles sont moelleuses et sont bonnes. Et pour le four, c'est sympa. Et ça change un petit peu. Donc, j'en ai pas fait beaucoup. C'est pour bon essayer. Mais faut pas trop faire de toute façon. Donc, pour éviter de jeter. Donc, voilà. Donc, c'était ma pâte à brioche magique, bien sûr. Et j'espère que vous allez adorer cette recette. J'en suis persuadée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec She What's in Bloody. Partagez, likez. Salam alaikum. Portez-vous bien. Cette semaine, il fait frais. Donc, à bientôt. Salam alaikum.